Voor mij is hij de beste goalkeeper in België. Niet enkel vandaag, maar al meerdere punten gepakt heeft van ons. Dus ik ben tevreden voor hem. Bonjour Jean. Erwin, bonjour. Ça va? Bien, bien, et toi? Ça va, merci. Félicitations, tu as été élu joueur de la saison par nos supporters. Ça a quelle valeur pour toi, ce titre? Déjà, merci beaucoup. Merci aux supporters et merci à vous pour cette belle interview. Ça a une valeur importante. C'est que mon boulot a été bien fait et reconnu par les fans qui ont voté, par le reste de la ligue aussi. Donc, je pense que c'est une belle reconnaissance et moi je suis très très fier. Même si j'aime pas parler de moi comme ça, c'est un bel accomplissement pour cette saison qui vient de se passer. Pourquoi penses-tu les supporters ont voté pour toi? Pourquoi exactement? Peut-être parce que je suis le seul Français sur le terrain et qui... je pense qu'il y a eu des moments importants dans la saison qui ont fait que j'ai pu être décisif. Et je pense que comme un attaquant qui marque, un gardien qui est décisif, ça marque les esprits. Et ça a été des moments assez importants et tout au long de la saison assez réguliers. Donc je pense que c'est des phases qui peuvent marquer. Et puis, je pense aussi le fait de pouvoir jouer tous les matchs de la saison fait que j'ai le plus de chances aussi d'être décisif. Donc, chaque point fait qu'aujourd'hui, j'ai ce titre. Après, si je le mérite ou non, c'est les supporters qui décident, mais c'est plutôt cool. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était la meilleure saison de ton carrière jusqu'à maintenant? Je dirais que c'est déjà la plus longue en termes de matchs joués. En termes de régularité, c'était aussi une saison pleine de ma part avec des hauts, des bas, mais je ne pense jamais de très bas. Et ça a été, assez stable toute la saison avec une progression. Donc, je dirais que c'est la plus belle saison de ma carrière. Tu as toi-même choisi les trois plus importants arrêts de la saison. On va les montrer et en discuter. Et voilà, on commence avec l'arrêt à la troisième place. Un arrêt dans le match contre Anderlecht. Qu'est-ce qui se passe, dis-nous? En fait, c'est une situation contre-attaque pour Anderlecht. Je ne me rappelle plus bien la phase de jeu avant. Et le but du jeu en tant que gardien, c'est d'essayer de fermer l'angle au maximum. Et sur certaines actions, j'ai laissé un peu ouvert l'angle à la droite de l'attaquant pour l'inciter à tirer de ce côté-là et puis moi ensuite pouvoir intervenir. Donc c'était un peu de l'intox aussi de lui laisser l'espace pour ensuite fermer l'angle. Donc, c'est de plus en plus on voit des gardiens faire des arrêts avec les pieds et pouvoir s'étirer le maximum comme ça, un peu à la manière du handball, mais c'est plutôt efficace et ça permet de fermer l'angle et de prendre le plus de place. Oui, c'était aussi un arrêt très important, un moment très important. C'était encore 0-0, on a finalement gagné 2-0. Mais c'est un moment très important, cet arrêt. Oui, quand je te parlais tout à l'heure des phases décisives d'une saison, d'un match, ça en fait partie et c'est ce qui a fait, je dirais, ma force aujourd'hui dans cette saison, c'est que à des moments importants de la saison, j'ai pu avoir ce genre d'arrêt. Et c'est ce qu'on demande aussi à un gardien dans un grand club, que de savoir avoir peut-être peu d'arrêts à faire, notamment dans ce match où je n'avais pas eu forcément beaucoup de boulot, mais avoir l'arrêt qu'il faut au bon moment et puis ensuite d'enchaîner par un but et puis deux contre Anderlecht. Donc c'était une belle victoire et avec le clean sheet en plus. Oui, voilà. Prochain arrêt, deuxième place selon toi. C'est un lob d'Undaf.
Le voilà, un lob d'Undaf. Et vraiment un saut de chat de toi. Ouais, c'est, je pense que c'est les arrêts les plus difficiles à faire en reculant. C'est un dégagement incroyable de Maurice et on met du temps à revenir après un corner. Et je pense que Undaf ne va pas savoir contrôler le ballon, donc je reste assez haut pour pouvoir peut-être récupérer le ballon devant lui. Et finalement, il contrôle bien et il lobe. Ensuite, c'est un jeu de jambes assez rapide et savoir pousser en reculant, c'est pas facile. Mais, non, c'est vraiment impressionnant. Hein. Ouais, ça va vite et puis c'est vrai que ça passe. Je la touche très peu et elle sort de très peu. Ça se joue vraiment à des millimètres, mais... Mais ouais, ça reste un bel arrêt de cette saison. Il me surprit un peu que tu ne l'as pas choisi comme arrêt numéro 1. Non, parce que celui qui vient, pour moi, c'est tout le football et c'est tout ce que j'aime chez le gardien de but. On va le voir ensuite, je pense. Mais il peut être, celui d'avant, il est important, mais c'est à l'Union, c'est contre la meilleure équipe de cette saison, contre Undaf, l'un des meilleurs buteurs avec Michael Frey. Et je pense que voilà, ça représente un bel arrêt de cette saison, mais je pense qu'on va voir celui d'après. Ouais. Je le préfère encore. Ouais. L'arrêt le plus important, selon toi, une tête. Pas le plus important, mais le plus beau pour moi. Ah, ok, le plus beau, voilà, dis-nous. Ben, il faut voir les supporters derrière. Je pense que c'est ça qui fait la beauté du geste. Ils pensent tous que c'est but. Et c'est pour ça que je pense que je l'ai élu peut-être le plus bel arrêt. C'est d'aller chercher le ballon derrière quand tout le monde pense qu'elle est dedans. Réflexe, Jean. Ouais, c'est plutôt instinctif et c'est des choses dont on ne réfléchit pas forcément. Oui, voilà, parce peut-être que comment ça fonctionne, mais c'est l'arrêt seulement une réflexe ou... Ouais, c'est ça. Je pense que l'arrêt d'Anderlecht, on va avoir peut-être une réflexion de se dire on va laisser que là, c'est la balle qui vient. Et je pense que c'est toute la confiance acquise jusqu'à ce moment fait que ça part sans forcément que le corps le décide ou que le cerveau le décide. Et c'est ce qui fait, je pense, les plus beaux arrêts du foot. Et ça te donne quoi alors comme sentiment? Bon, de puissance et d'invincibilité. Je pense que tout gardien dira que c'est... Voilà, c'est des arrêts comme ça donnent une confiance inédite. Et je pense que ça... Voilà, on bombe le torse après ça on peut être fier de soi. Et je pense que l'équipe aussi ressent aussi qu'ils peuvent compter sur son gardien. Donc... Oui. Où as-tu progressé cette saison? Moi, c'est déjà un aspect général. Dans toute part du jeu, j'ai progressé, que ce soit sur ma ligne, que ce soit dans le domaine aérien où j'ai essayé d'être plus agressif et plus fort dans les duels, et puis surtout mentalement aussi, où essayer d'après chaque action, passer à une autre et de pas penser que ce soit positif ou négatif, de pas rester sur ce qui vient de se passer, mais plutôt avancer sur ce qui allait arriver et de prendre chaque situation avec beaucoup de positif. Et je pense que Peder, l'entraîneur de gardien, a été très important pour ça cette année où il a réussi à m'amener à chaque fois dans une situation de performance, de bonne performance. Donc, je pense que voilà, dans ces points-là, j'ai progressé et c'est pour la suite, ça sera que mieux encore, j'espère. Hein. Oui. Très bien, merci Jean. Beste fans, voor jullie valt er natuurlijk vandaag ook iets te winnen, namelijk een shirt, een gesigneerd shirt van onze doelman van Jean Buté. Wat moet je daarvoor doen? Wel, op onze YouTube-pagina zet je in de comments onder dit interview welk jouw moment van het seizoen was. En dan gaan we met Jean samen één winnaar kiezen uit alle inzendingen. Dus even aangeven, welk was jouw moment van het seizoen? Zet het in de comments onder dit interview op onze YouTube-pagina. En wie weet ga je wel aan de haal met het gesigneerde shirt van onze doelman. Voilà Jean, on va signer votre shirt. Voilà. Comme ça. En u ziet het, het gebeurt hier en nu. Hè. Dit is het bewijs, het gesigneerde shirt van de speler van het seizoen volgens onze fans. Un grand merci Jean. Merci. Dit is dus het shirt dat te winnen valt. Hè. In de comments... Welk is jouw moment van het seizoen? Het shirt van Jean Buté.
Images qui n'ont vraiment besoin d'aucune explication. Nous savons de quel match il s'agit. C'est le meilleur souvenir de la saison pour toi ? Ouais. Il n'y a pas plus à dire. Je pense que... Non. Ouais, non, c'était incroyable. Hein. Ouais, je pense que c'est le meilleur moment de la saison. Moment avant de cette saison de toute ma carrière, je pense. Et de pouvoir se qualifier au pénalty face à Omonia à la maison, devant les fans, devant la nouvelle tribune, devant ma famille, c'était pour moi ouais, le summum de la saison et de ma carrière. Donc, il n'y a vraiment pas plus à dire. Oui, c'est ça. Tu connais encore le sentiment immédiatement après ce dernier penalty? Ouais, c'était spécial parce que je ne savais pas que c'était le dernier. Mm-hmm. Et j'ai vu l'équipe courir vers moi. Donc, c'est difficile à expliquer de pourquoi j'ai couru comme ça ou comme ci. Mais ouais, non, c'était une sensation incroyable. Et... Non, je peux pas forcément l'expliquer. C'était juste un moment incroyable que je me souviendrai toute ma vie. Et d'avoir vécu ça à ce moment-là de la saison, à ce moment de ma vie aussi, c'était plutôt génial. Et j'en reparle des fois avec des membres de ma famille qui étaient là, avec Marion. Et j'espère pouvoir, Marion, ma femme, et puis pouvoir le raconter à Gaspard quand il sera plus grand. Hein. Comment est-ce que tu prépares une séance de tir au but? Celle-là, on a peu de séances de tir au but dans une carrière, dans une saison. Alors, j'avais demandé à Peder et Steven, l'analyse vidéo, de faire une clé USB avec chaque penalty de chaque joueur, des derniers penalties de chaque joueur d'Omonia Nicosie. Et j'ai passé une heure à regarder chaque penalty. Une heure à chaque? Non, une heure au total pour analyser chaque tireur. Ouais. Et j'ai noté sur un bout de papier, j'ai noté chaque joueur, etc. Enfin, j'ai étudié un peu ça. Je suis vraiment pas un expert en penalty, mais j'ai essayé d'analyser ça de la meilleure manière possible. Et c'était sur ma gourde, j'avais écrit avant le match chaque tireur, chaque numéro de tireur avec le côté préférentiel. Okay. Et puis, avant la séance de tir au but, j'avais demandé, il y avait d'abord Mathias, le troisième gardien, Artun de Wolf et Peder de me donner chacun un conseil. Je pense qu'on est une bonne équipe, nous trois, nous quatre, cette saison. Et je les ai concertés pour avoir un tips. Et voilà, et je pense que c'est aussi grâce à eux que ce moment est arrivé. Et je voulais aussi, par ce moment-là, les remercier parce que c'était une saison fantastique pour moi, mais qui vient aussi d'un travail collectif à quatre. Et donc, que ce soit Peder, Ortwin et Davor, c'est aussi ce titre est aussi pour eux. Et je voulais les remercier pour ça. Ça, c'est gentil. Donc, tu savais exactement quel coin tu devais choisir? Entre chaque penalty, j'allais boire un coup d'eau et je regardais sur ma gourde le joueur qui arrivait, le numéro sur le short. J'essayais de voir rapidement et après, c'était pas dit que ce joueur allait tirer du côté préférentiel, mais je pense que dans des moments de stress pour un joueur, on pense peut-être au côté où on a l'habitude et c'est ce que je me suis dit. Donc après, c'était... Voilà, le reste était là. Ton petit-fils, Gaspard, il a joué déjà un rôle important dans cette séance ou Ouais, j'en ai parlé avec Faris après ça et j'ai eu une pensée, alors qu'il n'était pas là, j'ai eu une pensée pour lui qui était encore dans le ventre de sa maman. Et je sais pas, c'est aussi un moment spécial que je peux pas expliquer, mais... où je sais qu'il m'a donné une énergie supplémentaire et c'est un peu inexplicable ce moment, mais c'est... Ouais, donc non, c'est un peu grâce à lui aussi. Ouais, complètement. Et voilà, grâce à ma femme aussi qui est incroyable au quotidien et qui m'aide parce que c'est, je pense aussi, on va dire,
un travail invisible, on va dire. C'est une aide aussi psychologique pour moi parce qu'elle est là pour m'écouter dans les bons et dans les moins bons moments. Donc, que ce soit Gaspard, Marion, ma femme, c'est un bon trio qu'on forme en ce moment. Ouais. Oui. Voilà, c'est chouette. Merci Jean. Tweede winmoment van onze huldiging hier vandaag. Een paar handschoenen van onze doelman van Jean Buté. En om die te kunnen winnen, moet je nu naar de officiële Instagram-pagina van Antwerpen gaan. En daar kom je dan te weten wat je precies moet doen om die handschoenen in de wacht te slepen. Maar we gaan ze opnieuw hier en nu laten handtekenen. Dus we hebben de handschoenen van Jean. Het is ook voor mij natuurlijk een beetje een speciaal moment dat ik die toch even mag vastnemen. Ce sont des bons gants? Très bons gants. Très bons gants. Ok. Et on va les signer. Et où est-ce qu'on va le faire? Ah, voilà. Parfait. Dus u ziet het, opnieuw worden ze hier gehandtekend. En ik kan het alvast bevestigen. Het zijn zeer goede handschoenen. En ze zijn gebruikt, dat zal je ook merken. Er hangen wat grassprietjes aan, dus het zijn geen gloednieuwe. Jean heeft ze effectief al gebruikt. Voilà, très bien. Merci Jean. Dus even naar de Instagram-pagina gaan van Antwerp, de officiële Instagram-pagina. En kijk, de naam van de zoon staat op de handschoenen. Hè? Ah, Gaspard Buté. Het zijn unieke exemplaren. Ze zijn des gants uniek. Yes, exactly. Oui. Merci bien. Voilà, Instagram-pagina, daar kom je alles te weten. Merci Jean. Nous sommes ici sur le terrain de foot de notre village. Un terrain que tu connais bien, Jean. En effet, tu n'avais qu'à passer la porte du jardin pour retrouver tes copains et jouer au ballon. Et c'est d'ailleurs ici, à 6 ans, que tu as signé ta première licence au club du village. Que de chemin parcouru. Toute ta famille est super fière de toi, de l'obtention de ce trophée. Ta grande sœur Julie, ta petite sœur Capucine et puis nous-mêmes, on est super contents. Quand vous êtes arrivés l'an passé à Anvers, vous avez été super bien accueillis par les supporters. Cette année, le staff, les entraîneurs t'ont fait confiance. Tu t'entends super bien avec les joueurs de ton équipe. Et Marion, elle est toujours à tes côtés et toujours derrière toi pour la compétition. Donc, bravo encore. Et maintenant, nous avons hâte que vous rentriez afin d'arroser ce trophée. Ah, ça, c'est magnifique. Merci c'est un peu émotionnel, ouais, très, ce moment. Ouais. Donc, c'était le premier terrain où tu as joué. Ouais, et on ne voit pas derrière. Ma maison est juste derrière, en fait. La maison des parents est juste derrière. Et donc, j'ouvrais la porte et j'avais le stade juste là. Donc ouais, c'était facile pour moi d'aller jouer au foot et de rejoindre les copains. Et papa, maman avaient juste à m'appeler, ils savaient où j'étais. Merci beaucoup à eux pour la vidéo, à vous pour l'organisation de tout ça. Et c'est aussi pour eux qu'on joue. Et je pense pour papa, maman, pour les sœurs, pour le petit. Et c'est un moment de forte émotion. Et puis, je les remercie parce que c'est aussi beaucoup de sacrifices pour des parents qui suivent un jeune footballeur. Et ça peut être aussi beaucoup de sacrifices pour les sœurs aussi qui doivent suivre au quotidien. Donc voilà, c'est un trophée que je peux leur dédier aussi. Et je vais bien fêter ça avec eux pendant les vacances et avec toute la famille. Ça va être un chouette moment. Merci encore. Il y a beaucoup de personnes, Jean, qui veulent te féliciter pour ta saison et pour le trophée. Les voici. Félicitations, Jean. J'ai entendu joueur de l'année. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que tu as eu trop de boulot cette année. Mais quand même, je te félicite et tu as fait une grosse saison. Félicitations encore. Salut, Jean. Tu es le meilleur joueur de l'équipe de l'année. Pour ça, félicitations. C'est mérité. Tu travailles toujours très fort, beaucoup, et pour ça, félicitations et encore beaucoup de succès dans notre carrière. Hey Jean-Michel, congratulations on being a player of the season, but I think I can do your job as well. Salut Jean, voilà, mais apparemment t'es joueur de la saison, mais je pense que c'est amplement mérité avec la grosse saison que tu as fait. T'as vraiment progressé énormément cette année, je suis vraiment fier de toi et
J'espère que j'ai contribué un petit peu à ce petit trophée. Encore félicitations et bonnes vacances. Jean, félicitations avec la prime d'homme de la saison. Je suis content de toi, je suis fier d'avoir fait cette saison avec toi. Donc je te souhaite le meilleur et voilà, on se voit bientôt. Ciao. Sans buté, my friend. Congratulations for the best player of the year. You deserve it. You hold the zero all the time. Keep going, my friend. Salut mon Jean, petite vidéo pour te féliciter pour ton titre de joueur de l'année. Je pense que c'est une saison dont tu te souviendras longtemps, d'un par ta performance. Tout au long de la saison, t'as vraiment été à un niveau excellent. Et puis aussi, grâce à la naissance de Gaspard au début de la saison, et puis à ton mariage à la fin de cette saison qu'on va fêter ensemble et qu'on se réjouit. On se réjouit déjà d'y être. Salut, bisous. Salut Jean. Comme tu vois, j'ai le sourire. Cette saison se clôture d'une très belle manière pour toi. Amplement méritée grâce à ta détermination, concentration, envie de gagner à chaque match pour ce club, pour les supporters, eux-mêmes qui t'ont désigné comme joueur de l'année à l'Antwerp. Amplement mérité. Félicitations à toi. J'espère encore beaucoup de bons moments ensemble. À bientôt. Salut Jean, nous ici, on n'a jamais douté que t'étais le meilleur. Coucou Pilou, voilà, une petite vidéo pour te dire félicitations pour ce trophée. C'était vraiment une super année, une super saison pour nous trois, pour toi, pour Gaspard, pour moi aussi. Je pense qu'on s'en souviendra assez longtemps de cette saison. Et voilà, tu mérites amplement tout ce qui t'arrive et on est super fiers de toi avec Gaspard. Et voilà, on formera toujours la meilleure des équipes tous les trois et on espère que ça va durer encore assez longtemps. On t'aime fort, gros bisous. Beaucoup de félicitations, Jean. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est des bons moments, ouais, c'est magnifique. Oui, il nous reste le moment suprême, okay. Le trophée. Ah. Est-ce que tu es prêt pour prêt. Prendre le trophée? Après tout ça, je suis... Ah oui, regarde. Oh là là, c'est magnifique. Qui va vous donner le trophée? Ah non. Ah, ça va, chérie. Ça va et toi? Ça va, mon petit gars? Ça va? Ah, merci, mon grand. T'es le plus beau. La surprise à papa. Ah oui. Félicitations. Merci. Il est lourd. T'as vu, Gaspard? Ah, c'est beau, hein? Ah oui. Merci beaucoup, merci à tous. C'est magnifique. Jean, c'est un beau trophée, non? Ah, c'est magnifique, ouais. En plus... Gaspard, avec... il est aussi un trophée. Ouais, avec les deux personnes qui comptent le plus pour moi en ce moment. Donc, non, c'est... Vous ne pouvez pas rêver mieux comme moment pour finir cette saison. Ouais. Merci beaucoup. Il aura une place spéciale, ce trophée? Bon, dans sa chambre, je pense. Hein. Ouais. Et... Avant qu'il puisse shooter au ballon avec nous, on mettra ça dans sa chambre et puis on pourra, ouais, il pourra peut-être rêver de ça lui aussi. Oui. Finalement, Jean, ici les caméras, un mot pour les supporters de l'Antwerp qui ont choisi pour toi comme joueur de la saison. Ouais, je voudrais vous remercier pour le soutien toute la saison. Voilà, je pense aussi au nom de l'équipe qui a été voilà, très, très important, que ce soit... en Europa League ou en championnat, donc ça a été une saison très, très importante pour moi personnellement, avec l'arrivée de ce petit gars et puis aussi avec voilà, les performances sportives. Donc je voudrais vous remercier de tout ce soutien tout au long de la saison et puis de tous ces chants aussi derrière le but qui m'ont fait énormément plaisir et m'ont de bien aussi dans chaque moment de la saison. C'est aussi un trophée pour vous, donc un grand merci à tous et puis allez l'Antwerp. Voilà, merci beaucoup.